Bonjour, alors voici la guidance du jour. Je vais utiliser le grand gemme Mademoiselle de Normand, comme toujours. Tu sais que c'est mon compagnon de toujours. L'oracle de Béline. Et puis, je vais commencer avec ce petit jeu-là. De Lilou Massé et Sonia Choquette, que j'aime beaucoup aussi. Du défi des 100 jours, ouais, que j'ai toujours aimé et suivi aussi. Alors, j'ai une petite. J'ai lu les commentaires et vous avez eu des soucis de son. Quelques personnes ont eu des soucis de son. Alors, faut savoir que j'ai un micro. Faut savoir que chaque vidéo est montée, justement. Donc, j'augmente le son. Sauf que sur les dernières, eh bien, je n'ai pas le temps de faire les montages. Et oui, parce qu'une vidéo prend beaucoup de temps. Déjà à faire, mais surtout après à monter. Pour qu'elle soit quand même de qualité. Et en ce moment, j'ai pas le temps de faire des montages. Par contre, je fais vraiment toujours attention au son, c'est-à-dire que je vérifie. Et chaque son de mes vidéos est vérifié sur 6 appareils différents dans la maison. Voilà. Et même éventuellement une amie à qui je demande si le son est correct aussi. Donc moi, de mon côté, j'ai pas eu de problème de son. Alors, il pouvait être un peu plus faible que d'habitude, mais une fois le son monté à la moitié, il y avait un son tout à fait correct. Et encore plus correct avec un casque. Voilà. Donc je check toujours le son. Alors peut-être qu'il était plus faible sur certains appareils. Tout dépend de la qualité des appareils. Alors si vous avez un appareil correct, pas forcément de grande qualité, mais correct, le son doit passer. Surtout que j'ai un micro. Je ne fais pas les guidances sans micro. Voilà. Donc je vais parler un peu plus fort. Là, je te parle en tenant mon micro. Je ne vais pas pouvoir le tenir, sinon je ne peux pas manipuler mes cartes. Donc, je le remets en micro-cravate. Et je ne sais pas combien de micros j'ai acheté. J'ai dû changer plus d'une fois de micro pour bah, essayer de vous apporter un son correct. Mais là, je t'avoue que je ne peux pas faire plus. Voilà. Donc, en ce moment, je n'ai pas le temps. À chaque fois, j'augmente le son via la table de montage. Quand je fais les montages, mais en ce moment, j'ai pas le temps de monter les vidéos. Alors, j'ai peut-être trouvé. C'est peut-être par rapport au fait que j'ai voulu tester ce qui se passait quand j'envoyais la vidéo directement, eh bien, de mon téléphone, puisque je filme avec mon téléphone sur YouTube. Et il est possible que à ce moment-là, au niveau du traitement de la vidéo, le son soit pas terrible, terrible, terrible. Pourtant, j'ai des appareils de qualité. Donc, je vais repasser par mon ordinateur, mais je trouvais cette fonction très facile parce que ça me faisait gagner un temps fou. Voilà. Donc, je vais faire différents tests, mais voilà. Merci pour vos commentaires, mais sachez que je fais toujours attention au son et bah, attention à la qualité de votre appareil, attention à la qualité de vos casques aussi. Et puis, bah, ils peuvent être très bons. Et dans ce cas-là, il y a la qualité de traitement aussi chez YouTube également. Moi, j'ai pas eu de soucis. Donc, effectivement, merci de me l'avoir dit. Parce que, bon, à part un son plus faible que d'habitude parce que je n'ai pas fait le montage, sinon, bah, avec le micro, il reste quand même correct. Voilà, je ne peux pas faire plus. Mais merci beaucoup. Allez, on y va. Eh bien, ça sort tout de suite, d'ailleurs. Alors, ici. Alors ici, il y a une notion de conflit, mais de conflit intérieur. Et ce que j'entends, c'est que les conflits intérieurs, eh bien, quand il y a un conflit intérieur, on se retrouve avec un conflit à l'extérieur. Ah, elle veut venir, on la prend. Voilà. Mais bon, ça ne va pas durer. Beaucoup de trèfles. Donc ça, c'est quelque chose qui est propre à tout ce qui est matériel. Bah, tu vois, moi, peut-être mon son. Bien que, comme je te dis, bah, j'ai pris un micro de qualité. On est beaucoup dans les trèfles ici. Donc, il y a tout ce qui est matériel, tout ce qui est lié à la matière. Ça peut être aussi le professionnel, bien évidemment. Bien que là, voilà, ce n'est pas forcément que le domaine professionnel. Parce que ici, bon, on a une notion de trahison là. Là, elle se repentit, là, elle fait mea culpa aussi. Bon, il y a quelque chose qui s'est passé, mais on te dit que tu as le talisman, voilà, ici du soleil avec toi, que, y a la victoire après les épreuves et les difficultés ici. Donc, pas de souci, en gros, tu as ta bonne étoile hein, qui te suit.
Et donc, on voit très bien ici le conflit intérieur, mais et puis là, on voit Coda Draconis, c'est vraiment les soucis, les choses qui vont pas, les difficultés, les obstacles, c'est tout ça. Mais il n'y a pas d'inquiétude parce que après, par la suite, voilà, si ça concernait un projet, la réalisation de quelque chose, alors là, on va jusqu'en Capricorne. Capricorne, c'est décembre, janvier. Si les choses ici, on voit bien que les choses vont aboutir, il y a la réalisation ici d'un projet avec notre architecte là. Seulement, ça demande construction. Ça demande aussi d'y aller étape par étape, comme quand tu franchis une montagne, mais aussi de dépasser les obstacles un à un, petit à petit. Voilà. Quel que soit le domaine de vie. Donc, ça peut être aussi bien dans le domaine sentimental que dans le domaine professionnel. Donc, faut faire attention parce qu'il y a quand même des influences assez négatives avec Coda Draconis. Donc, attention aussi à tes démons intérieurs également. Hein, il n'y a pas toujours, ça part souvent de l'extérieur, de l'intérieur, pardon, vers l'extérieur. Et des fois, l'extérieur vient te challenger parce que ben, tu peux avoir des peurs hein, dont tu n'as pas conscience aussi, des blessures. Et donc, pour qu'elles soient mises à jour, eh bien, l'extérieur va venir te challenger, va venir te poser des défis. Donc, ici, il y a des, on parle vraiment de. Il y a pu y avoir de. Des séparations ici, hein, des ruptures. On parle toujours de trahison. Pour moi, il y a une notion de trahison en fait. Hein. Les deux cartes, celle-là, c'est la notion de trahison. Tu vois, tu as un T aussi. Oups, je suis en train de me brûler avec la bougie. Tu as un T. Et là, tu as Coda Draconis. C'est la figure géomantique qui se trouve sous le H. Voilà. Et elle te parle aussi de trahison. Elle te parle du mois de novembre. Donc ici, on était plutôt dans le passé, donc c'est peut-être quelque chose qui a eu lieu l'année dernière. Et en tout cas, qui a créé du coup une séparation, une chute, une rupture. Voilà. Donc c'est une carte qui est vraiment défavorable, mais on voit bien que par la suite, les choses s'améliorent dans tous les cas ici. Donc des fois, quand il se passe quelque chose, un événement qui n'est pas terrible, et en plus quand on voit que tout de suite après, quand même, enfin tout de suite, ou enfin, dans un temps quand même rapproché, les choses sont quand même positives, là, avec notre 7 de trèfle. Eh bien, c'est un événement qui te permet ou qui te remet dans une certaine direction, voilà, ou un événement qui te fait prendre conscience, hein, qui t'éclaire, hein, prendre conscience, un déclic, une lumière, voilà. Il y a une illumination intérieure, par exemple, hein, voilà. Bah là, c'est le cas. Là aussi, ça peut t'impulser aussi, hein, ça peut t'impulser pas plus de niaque, en fait, hein, très clairement, voilà. D'un point de vue, on a un point de vue très spirituel ici avec notre constellation parce que c'est vraiment ça. Hein? C'est-à-dire que c'est se retrouver face à ses doutes et en même temps, c'est voilà, il y a des doutes, il y a des certitudes et il y a une envie, un besoin d'être guidé aussi. Hein, donc écoute bien ta guidance intérieure, hein, ce sera la meilleure guidance que tu pourras avoir. Et il y a cette notion de chercheur spirituel ici, ou de chercheuse spirituelle. Et là, en fait, il y en a qui peuvent être au début de quelque chose et on leur dit de ne pas se décourager parce que il y a des belles découvertes et notamment des découvertes sur soi qui sont à venir. Après, peut-être une période où il y a une séparation. Avec un sentiment de trahison. Voilà. Mais néanmoins, il y a quelque chose de vraiment positif qui en sort. Donc, bon, le 7 de trèfle, c'est sûr que c'est la partie financière, hein, ici. Moi, je regarde le futur. C'est peut-être aussi se battre par rapport à cette partie financière là aussi, hein, également. Hein. Il y a des remises en question. Mais par contre, au niveau sentimental, il y a des remises en question avec notre 7 de trèfle ici, des remises en question au niveau du couple ou d'un duo qui sont nécessaires. Et on voit bien, donc là, hein, effectivement, bah, peut-être qu'on a un duo, il y a eu une trahison.
Et du coup, ça remet les choses en cause, mais on dit que c'était nécessaire et on voit bien que c'est pour une construction par la suite, quoi. Et ça demande du coup d'utiliser son charisme, son charme ici avec cette carte-là aussi, hein. Voilà. Et d'y arriver. Là, on a quelqu'un qui est déterminé, dans tous les cas, qui veut atteindre le sommet, comme le bon grand géant là, qui veut se rapprocher du dieu Pan qui s'est transformé en Capricorne. Voilà. Et atteindre le sommet, pourquoi? Eh bien, pour échapper aussi, pour certains, à des situations difficiles ou à des personnes ou à des adversaires. Hein? Donc, il y a une notion de réussite et de reconnaissance là. Hein? Mais étape par étape, ça c'est très important. Tu vois, c'est le symbole de la montagne, c'est étape par étape. Construire quelque chose de solide à sa base et s'élever vers le sommet, étape par étape. Et bien sûr, d'aller, il y a une notion d'ambition avec avec la montagne ici, hein, c'est d'atteindre le sommet, il y a une notion d'ambition. Voilà. Et ça, c'est pour le côté professionnel, et donc c'était ce que je te disais pour le côté cœur, ben, il y en a, c'est utiliser leur charme, leur pouvoir de séduction, tout leur charisme, pour peut-être transformer une relation ou apporter, ou raviver la flamme dans une relation, en fait. Voilà. Et on se dit que c'est pas négatif du tout, de le faire, aiderait beaucoup. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui se sont oubliés justement et que la flamme s'est éteinte. Et aussi, si tu souhaites conquérir quelqu'un, on te dit d'utiliser tout ton charme et ta séduction. Et peut-être que c'est pas forcément ta manière de faire. Mais des fois, il faut savoir utiliser son charisme et se mettre en avant pour conquérir le cœur de l'être aimé. D'ailleurs, tu vas briller comme un soleil. On a le talisman du soleil ici. Hein? Voilà. Donc, il y a une belle protection aussi avec le talisman du soleil. Aussi dans le domaine financier, matériel, hein, si tu t'inquiétais, hein, aussi également. Voilà, il y a cette notion de s'affirmer, de s'épanouir, de montrer qui tu es, de montrer, d'utiliser tout ton plein potentiel et ben de voilà, de d'oser te montrer, d'oser être toi. On en revient toujours à la même chose. Mais étape par étape, ne va pas trop vite en fait. On te dit attention avec ce petit sujet-là, de ne pas aller trop vite. Pense à la montagne, vas-y étape par étape. Alors là, avec cette carte-là, il peut y avoir des adversaires, donc des personnes qui sont jalouses, qui sont envieuses ici. Bah oui, quand tu fais preuve d'ambition, il y a des personnes qui ont l'impression que tu leur fais de l'ombre, alors que c'est pas le cas. Mais là, il faut savoir qu'il y a une protection au niveau matériel, là. C'est vraiment, s'il y a des pertes, attention à l'imprudence aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite. Hein? S'il y a des pertes de biens matériels ou des vols ou des choses comme ça, mais ce serait fait par imprudence. On parle d'incendie aussi, ils m'ont dit mais ce serait fait par imprudence. Donc, avec le talisman du soleil, tu as une belle protection. Donc, tu peux aussi avoir cette protection-là. Tu dessines un soleil sur un papier. Ça fera ton talisman. Tu le plies, tu le mets dans ta poche. Ou tu peux le mettre dans un petit tissu si tu veux. Tu le mets dans ta poche. Et tu as ta petite protection face aux pertes matérielles. Et on te dit, ce serait dû à de l'imprudence. Donc, prudence. Ici, on te dit de ne pas aller trop vite. Perte matérielle, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, vouloir créer quelque chose, une entreprise, tu vois, ou avoir un poste, souhaiter un poste, et puis par imprudence, où tu peux perdre ce poste qui t'a été donné, ou alors par imprudence, finalement, ben, tu ne l'as pas. Ben, mets ce petit talisman dans ta poche. Voilà. Si tu as une ambition pour quelque chose, mets ce petit talisman dans ta poche. Alors, fais toujours les choses en accord avec toi-même. Ne pousse pas les portes qui sont fermées. Hein, c'est ça. Ne va pas chercher des choses qui te permettraient d'aller plus vite, en fait. Il te dit ça, le petit sujet ici. Hein? Là, l'architecte, c'est un plan bien mené, bien construit, mais en étant patiente ou patient,
Donc petit à petit, mets les choses en place, ne va pas trop vite parce que c'est quelque chose que tu pourrais regretter et surtout ne fais jamais les choses en désaccord avec toi-même. Sois toujours en accord avec toi. Et ici, cette carte-là, elle te dit que pour la partie professionnelle matérielle, le temps est ton allié, mais aussi au niveau sentimental, le temps est ton allié. Hein? Parce qu'il y a des remises en question qui se font dans un duo, dans un couple, mais on te dit qu'elles sont nécessaires. Il y a une joie de vivre, il y a ta joie, on te dit de trouver ton équilibre en fait avec ce rythme-là. Tu vas trouver ton rythme, tu vas trouver ton équilibre. Il y a cette notion de rayonner. Pardon, de rayonner avec cette carte, avec le 7 de trèfle ici. Et le G va nous parler de joie. Donc n'hésite pas à montrer ta joie, même si tu en as qui ne seront pas contents, mais c'est pas grave. Je veux dire, si tu brilles naturellement, tu brilles naturellement parce que tu es dans cette joie, dans cet amour. Forcément, les personnes qui sont dans cette joie et dans cet amour, eh bien, ce sont des personnes qui sont qui brillent très naturellement, hein. Et là, j'ai des personnes qui savent s'adapter aussi, hein, qui savent s'adapter à toute situation, qui ont cette capacité de se remettre en cause aussi, de s'ouvrir à ce qu'elles ne connaissent pas. Et donc, il y a de nouvelles rencontres là qui peuvent arriver aussi, qui peuvent être vraiment intéressantes, hein, que ce soit au niveau relationnel, amical, mais que ce soit au niveau spirituel, des rencontres spirituelles ou sentimentales, hein. Voilà. Mais on parle beaucoup d'étapes ici. Donc voilà, n'oublie pas les étapes. Il y a des étapes qui viennent. On te dit que ces étapes-là sont des cadeaux. Donc vouloir brûler les étapes, ben, ne t'aiderait pas, puis tu passerais à côté de ces cadeaux en fait. Voilà. Donc accepte de recevoir parce que tu peux recevoir beaucoup. Et parce que tu sais qu'il y a toujours un équilibre, et cet équilibre, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà. Ici, j'ai des personnes qui sont vraiment appréciées. Mais appréciées parce que, de par leur belle qualité d'être et de cœur, en fait, hein. Voilà, donc ici, il s'est peut-être passé par le passé, hein, parce qu'on est dans le passé, une situation bah, de trahison. Je disais, on fait mea culpa, mais j'ai l'impression qu'en fait, les choses ont été faites comme ça, il n'y a pas à culpabiliser. Hein. D'ailleurs, la culpabilité, c'est une émotion qui te fait vibrer très bas. Hein. Donc, évite de culpabiliser. Ça fait chuter ta vibration, ta fréquence vibratoire, et du coup, tu te retrouves à avoir des situations comme ça qui vont te faire encore plus culpabiliser. Donc, attention. Donc, toujours important, conflit intérieur, je parlais de cohérence avec soi. Donc, ce conflit intérieur, moi, me parle du coup beaucoup de cette cohérence avec soi. Que quoi qu'il se soit passé dans une relation, ne te définisse pas. Voilà. Ce qui s'est passé, ça ne te définit pas. Ça ne définit pas qui tu es. Ça, c'est important. Ben voilà, les personnes jalouses. On a notre dame de carreau. La dame de carreau, c'est une femme qui peut être méchante, hein. Et en tout cas, ça c'est sûr, elle est jalouse. On a quelqu'un de possessif aussi. On a quelqu'un qui sème la zizanie, la discorde, et qui peut être donc méchante. Quelqu'un qui peut être obsessionnel aussi, hein, avec le haut aussi. On peut parler d'obsession. Ben c'est pas grave, continue de briller. Donc ici, la dame de carreau, en règle générale, ça n'est pas une jeune femme. J'ai dit en général, ça n'est pas une jeune femme dans le grand jeu Mademoiselle Lenormand. Mais ça peut sortir, hein. J'irai dans les trois quarts du temps, ça n'est pas une jeune femme. Voilà. On n'a pas une jeune de 20 ans, quoi, hein, qui est dans la vingtaine, par exemple. J'irai plutôt à partir de. Ouais. On a une maturité de vie avec une expérience de vie derrière. On n'a pas une maturité d'âme, hein. Je ne parle pas de ça, parce qu'on a des vieilles âmes. Qu'on retrouve chez des enfants et même des bébés. Non, je parle vraiment en expérience de vie dans cette vie-ci-là. Voilà. Donc, on a des personnes quand même qui, fin de trentaine, quarantaine, puis après toute la suite, bien sûr. Voilà. Donc, c'est des femmes qui ont plus de maturité.
Je parle pas forcément de vieilles femmes, même si ça peut de vieilles femmes, de femmes plus âgées, même si ça peut être le cas. C'est vraiment une question de voilà. Il y a une expérience de vie plus longue. Et donc ça peut être une mère, ça peut être une tante, ça peut être une amie, ça peut être une conjointe aussi, hein, voilà, une épouse aussi également. Voilà, bah voir en fonction de ta situation si cela est ou pas, parce que cela ne peut ne pas être, hein, cette guidance est générale, donc fais toujours preuve de discernement, ce qui ne te parle pas, bah, c'est que ça n'est pas pour toi. Comme ça, c'est très simple en fait, ça résonne, eh bien il y a quelque chose à aller voir, ça ne veut pas dire prendre les choses à la lettre et au mot, ça veut dire qu'il y a quelque chose, ça te demande de regarder quelque chose en toi à ce moment-là ou dans ta situation. Voilà. Qui va être différente de ce que je suis en train de te dire là, par exemple. Ça, c'est important. Mais tu peux utiliser cette guidance justement pour activer ta propre guidance intérieure en utilisant juste la résonance. Alors, je vais... Donc attention avec cette dame de carreau là, mais en fait j'ai envie de te dire, elle ne doit pas t'empêcher de briller, hein? Voilà, de briller, c'est-à-dire d'être toi tout simplement, je veux dire, et quand toi, tu montres l'exemple en fait, et du coup tu permets à d'autres d'être toi, et ça renvoie au magnifique poème de Marianne Williamson, qui a été attribué à Nelson Mandela, mais ce n'est pas Nelson, il n'est pas de Nelson Mandela. On va voir avec, eh ben voilà... Il y a peut-être des discussions qui sont à venir. Alors, on fait attention. On a Mars ici. Mars, on sait que c'est le dieu de la guerre. Ça peut être des discussions assez vives hein, quand même. Et donc, on va voir de quoi il s'agit. Bon, alors, ok. J'en ai trois. On va les prendre deux par deux. Je dépose mon paquet. J'en ai une autre. Ah ben ouais, regarde, j'ai une carte là qui est tombée. La carte qui est tombée, c'est celle-ci, les peurs. Sois consciente ou conscient de tes peurs, mais ne les laisse pas te contrôler, elles ne sont pas réelles. Voilà, elle est tombée, elle est sortie toute seule de ce paquet-là, là, et donc je la prends. Et ensuite, donc, la première ici, et le deuxième duo, regarde, deuxième duo ici, donc ici. Il y a une notion de constance. Hein. Je crois qu'on avait vu ça. Donc là, tu as l'inconstance. On avait vu ça avec ce paquet-là. Et ce paquet-là, cette carte-là. Les conflits intérieurs d'être en cohérence avec soi. Ben oui, parce que quand on n'est pas en cohérence avec soi, on peut être aussi. Ça peut créer de l'inconstance aussi également. Et là, ça me parle du dialogue intérieur aussi que tu peux avoir en fait. Ce dialogue intérieur, il peut te créer une grande inconstance. Hein. Peut-être qu'un jour tu dis noir et puis l'autre jour tu dis blanc, par exemple. Hein. Voilà, ça peut être ça. Alors, il faut savoir que dans le domaine professionnel, eh bien, il peut y avoir des attaques. C'est pas toujours facile d'y répondre. Mais on te dit de ne pas y répondre de manière agressive. Voilà. Parce que, en fait, tu peux recevoir de l'agressivité, mais ne réponds pas si tu peux de manière agressive, en fait, pour que ça puisse passer. Donc attention aux attaques professionnelles. Il y a une incertitude dans le domaine professionnel, ici avec les deux cartes qui sont ensemble. Et là c'est pareil, il y a peut-être aussi un choix d'être en cohérence avec soi. Il y a beaucoup d'agressivité, enfin beaucoup, non, c'est pas beaucoup, mais on voit qu'avec le talisman du soleil, il y a une protection. Et la dame de carreau, là, du coup, on se dit, mais il y a une protection face. L'agressivité, c'est la guerre ici, elle est ici, elle est au centre. Hein. Face aux personnes qui ne sont pas agréables. Des fois, quand tu te fais attaquer comme ça, agresser, bah, c'est vrai que tu as envie, toi, d'être agressive ou agressif, mais en fait, ça ne règle pas le problème. La guidance, elle te le dit aussi.
même si ce n'est pas toujours évident, et la sagesse veut que eh bien, tu n'en aies pas peur, d'accord? Ne laisse pas ta peur te contrôler parce qu'elles ne sont pas réelles, tes peurs. Elle n'est pas réelle, ta peur. On te dit d'être toi et d'oser briller. Au contraire, continue ton chemin. Ne t'arrête pas. Ne fais pas cas des personnes qui viennent t'agresser et ou te déstabiliser. C'est vraiment ça. Et dans le domaine sentimental, bah du coup, c'est pareil. Alors, il y a une notion aussi de. Pour des personnes aussi, peut-être qui hésitent aussi, qui ont peut-être le cœur fermé d'avoir eu trop d'attaques aussi, et qui hésitent à entrer dans une relation. Eh bien, ici, la guidance, elle te dit de ne pas hésiter, en fait, à te lancer dans. Alors, pas forcément dans une relation sentimentale, mais même dans des échanges amicaux. Il y en a qui peuvent reculer à y aller. Mais en fait, l'autre t'apprend beaucoup et te fait évoluer aussi. Donc on te dit de ne pas hésiter à y aller dans ces échanges-là. Et parfois, parce que si tu as Mars ici, on a la Lune aussi, donc on peut avoir vraiment des choses qui ne sont pas visibles hein, dans les agressions, bien évidemment. Mais Mars, en fait, c'est aussi ne pas se laisser faire. Hein? Voilà. Donc ça demande beaucoup de subtilité, beaucoup de sagesse, mais de s'affirmer, c'est vraiment. Là, ici, en fait, il y en a un qui veut la paix. Il y va, il est diplomate, en fait, et puis peut-être il essaie une médiation. Et l'autre, bon, bah, il est en protection, mais il n'attaque pas. Mais il est prêt. Si jamais il se fait attaquer, il est prêt. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a quand même un désir. Eh bien, de quelque part, d'améliorer la situation, de ne pas se laisser faire et de s'affirmer aussi quand même. Voilà, avec intelligence et sagesse face bah, à la méchanceté, à l'agressivité. Voilà. Donc, Mars, quand même, t'accompagne pour te donner la force aussi de vaincre l'adversaire. Parce qu'on a vu qu'il pouvait y en avoir des adversaires. On te dit de ne pas en faire cas ici avec cette carte-là. Et donc, on parlait beaucoup d'amour, apparemment. Donc, tu peux remettre ça dans ton domaine sentimental. Ça peut te parler, tu vois si ça te parle ou pas. Bah, parce qu'en fait, bah, une fois que tu t'es affirmé avec l'affirmation juste avec Mars ici, voilà, et bien quelque part, il y a une constance qui revient. C'est peut-être qu'aussi, des fois, quand on se fait trop attaquer ou agresser, c'est qu'on manque d'affirmation. Je dis pas que c'est tout le temps, hein. Mais parfois, ben, comme on ne se positionne pas ou qu'on ne s'affirme pas, qu'on dit rien, eh bien l'autre ben, continue finalement. Hein. Bon, c'est du bon sens aussi. Voilà. Et bien là, avec l'amour et le bonheur, ben, une fois que c'est fait, et puis de la protection du soleil qu'on a vu, eh bien, les choses elles avancent. Hein. Ça, elles restent positives, la guidance, dans tous les cas. Mais il y a déjà faire face à ses propres conflits intérieurs, d'être cohérent avec soi. De ne pas se laisser faire, ne pas hésiter à s'affirmer, à se positionner. Parce que des fois aussi, il y a des situations qui arrivent parce que tu ne te positionnes pas, par exemple. Et si tu n'as pas pris position, alors des fois c'est intéressant de ne pas prendre position, de rester neutre, mais il y a d'autres moments, eh bien le fait de ne pas te positionner bah, ne va pas t'aider en fait. Il y a des moments où il faut savoir taper le poing sur la table. Voilà. Hein, il y a une notion de sagesse, mais il y a des moments où il faut savoir taper le poing sur la table pour qu'à un moment donné, ben, ça cesse hein, aussi. C'est une question d'équilibre en fait. Pas toujours évident. Voilà. En tout cas, tu vois qu'avec ces deux cartes, ben, tu as l'amour, tu as le bonheur. Hein, l'amour, le bonheur ici. Et qu'on a vu qu'il y avait une remise en question dans un couple qui était nécessaire. On voit bien que c'est pour une période après qui va être beaucoup plus agréable. Voilà. Et donc, lorsque tu te sens bien, alors en amour, ça peut être aussi en amour, tu peux te sentir bien avec toi-même. Et à ce moment-là, forcément, il y a une satisfaction, il y a un bien-être, et ça se répercute dans tes activités professionnelles pour une période aussi qui va être satisfaisante et qui va porter joie et bonheur. De toute façon, ces deux domaines sont souvent liés, hein. Enfin, tous les domaines d'ailleurs, hein, sont liés.
Et quand il y a une avancée dans un, quand il y a un équilibre dans un, ben, ça permet de retrouver un équilibre dans les autres, hein, petit à petit. On se souvient étape par étape. Et donc, ça permet de retrouver une situation matérielle stable, satisfaisante, voilà. Et donc, avec un climat plutôt agréable à vivre, voilà. On te dit que là, eh bien, ne culpabilise pas, plutôt affirme-toi, sans agressivité, hein, avec la plus grande sagesse et douceur, hein. Tu peux être affirmé de l'intérieur, où la personne va sentir que c'est posé, c'est ancré à l'intérieur. Et ce qui permet justement, donc enlève toute culpabilité pour ça, et ce qui permet de retrouver, quel que soit le domaine, vraiment de l'harmonie. Tu vois, on a amour et bonheur. Voilà. Et donc, la petite carte bah, que je voulais, je voulais battre le jeu, bah, je ne vais pas le battre parce qu'elle s'est tellement bien montrée. C'est soit, c'est ça, soit consciente ou conscient de tes peurs, mais ne les laisse pas te contrôler, elles ne sont pas réelles. Voilà. Je te remercie pour ton écoute, je te souhaite un bon week-end et pour les guidances du jour, on se retrouve lundi. Si j'ai un peu plus de temps, eh bien, je ferai la guidance pour les polarités yin et yang et donc je vais les faire dans une même guidance. Voilà. Merci à toi, merci pour ton écoute.